Ça y est, la voie est libre. Go! On se retrouve dans la réserve. Alors, vous l'avez? Le voilà. Mais chut, personne ne doit le savoir. Il ne faut pas que ça tombe aux mains de l'ennemi. Pas de soucis. Bonjour, ça fait toujours 2,80? Oui, comme tous les mois. Mais chut, c'est un secret, il ne faut pas le dire. Adieu, capitaine Courage. Waouh, trop génial! Ça te dit que je te mette la pâtée aux 7 familles? Non, merci! Bon, une chasse au trésor, alors? Je t'ai dit non! Halte là! Qui ose entrer sur mon territoire? Hé! Hey, et si on allait explorer la maison hantée d'à côté? T'as pas compris, l'alien? Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire! Ah, on va pas perdre de temps ici avec toi! Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire. Oh, ce petit microbe mérite une bonne leçon, non? Qu'est-ce que t'en dis, princesse Sally? T'es trop forte, Nina! T'es trop forte, Nina! T'es trop forte, Nina! Je sais! Oh oui, je sais! Dis-moi, chérie, qu'est-ce que tu dirais de faire un petit troisième? Calme-toi, je disais ça pour plaisanter. Allez, c'est parti, princesse Sally. Toi et moi, on passe à l'action. T'es trop fort, Nina. T'es trop fort, Nina. Oui, je sais, je sais. Qu'est-ce qui t'arrive, papa? Oh, c'est rien. Rien du tout. Je vais faire dodo. Ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est rien. Je lui ai simplement reparlé du petit troisième. Le petit troisième. Ah, d'accord, j'ai compris. Attention, capitaine! Les plutoniens attaquent! Pistolet laser à méga onde désintégrante! Piou, piou, piou! Qu'est-ce que tu veux, l'alien? Ah, une soucoupe volante rose! Quoi? Où ça? Nulle part! Hé, tu fais une partie de cache-cache avec moi? Mon capitaine Courage! Contente que tu sois finalement d'accord pour jouer avec moi, Microbe! Rends-moi mon jouet, l'alien! Attrape-moi si tu veux, le Microbe! Nina! Rends-le-moi! Désolée, Microbe, j'avais décidé de te le rendre, mais il s'est envolé en criant « Capitaine Courage, traverse la galaxie !» À mon avis, il en a pour un moment. En attendant, on pourrait se faire notre partie de cette famille. Je te crois pas d'abord, t'es qu'une menteuse. Il serait jamais parti sans me prévenir, jamais. Réponds, capitaine. Toujours rien. Halte là. Qui ose entrer sur mon territoire? Pas de panique, capitaine. Tom arrive à la rescousse. Halte là. Sur mon territoire. Ton capitaine est déjà rentré? Si tu t'approches encore de capitaine Courage, l'alien, je te réduis en poussière de trou noir. Quoi? Tu oses me menacer, Microbe? Parfaitement. Fais gaffe à ce que tu dis. Je dis ce que je veux, quand je veux, et c'est pas toi qui va m'en empêcher, l'alien. Ça, c'est ce que tu crois.
Papa, maman, Nina veut kidnapper mon capitaine Courage. Après avoir terrassé le tyrannosaure, capitaine Courage va atomiser le brutosaure. T'approches pas, la voleuse. T'inquiète, je vais pas te le voler, ton capitaine Courage. En plus, il combat un petit dinosaure en plastique, trop nul. Quoi? C'est pas un petit dinosaure, c'est le redoutable brutosaure. Ouais, si tu le dis. Ce qu'il lui faudrait à Capitaine Courage, c'est un adversaire à sa taille. Par exemple, je sais pas moi... il pourrait se battre contre le terrible serpent géant des toilettes. Le serpent géant des toilettes? Ben oui, c'est l'alien le plus puissant de toute la galaxie. Celui qui s'est installé dans les tuyaux et se nourrit des humains qui l'attaquent par surprise. Waouh, excellent! Ça, c'est une mission pour Capitaine Courage! Vite, Capitaine! L'avenir du monde est entre nos mains! Vitesse supersonique activée! Voilà l'entrée du repère du serpent! Va accomplir ta mission, Capitaine Courage! Triple salto arrière-vrier, go! Yeah! À toi de jouer, Super Capitaine! Larguez les amarres! Capitaine Courage traverse le tourbillon spatio-temporel des flots intersidéraux! Adieu, Capitaine Courage! La patrie te sera éternellement reconnaissante! Hein? Désolée, Microbe. Je suis sûre que ton héros a tout tenté avant de tomber au champ d'honneur. Tu peux être fière de lui. Oh! Non, Tom, je refuse de te jeter dans les toilettes et de tirer la chasse. Même pour récupérer Capitaine Courage et sauver le monde! Je t'ai envoyé dans une aventure périlleuse sans l'armement nécessaire, Capitaine. Désolée, j'ai failli sur toute la ligne. Pardonne-moi. Mais ta disparition sera vengée! Nina, téléphone! Vengeance! Allô? Allô? Y'a personne? Microbe, rends-moi Princesse Sally! Ah, désolée l'alien. J'aurais bien voulu te la rendre, mais elle a décidé de prendre le large. Ah oui, comme c'est dommage. Il venait de se marier avec Capitaine Courage. Ben, ça tombe bien, elle vient de le rejoindre dans les toilettes. Sauf qu'elle attendait des juments. Deux petits Capitaine Courage. T'aurais pu t'éclater avec eux. Oh, je t'ai dit non, Tom. Allez, tu vas pas nous faire une crise pour un petit jouet en plastique? On va se faire une partie de cette famille, ça va te changer les idées. À cause de moi, Capitaine Courage a disparu. Et en plus, j'ai éliminé ses futurs héritiers. Tout ça, c'est ma faute. Je suis sûre que le capitaine s'en est tiré. Avec sa petite amie Sally, ils ont dû ressortir par une canalisation des égouts et c'est tout. Allez, joue. Tu peux pas comprendre. Bon, écoute, Microbe, je te propose un accord. Je te retrouve ton Capitaine Courage et tu fais une partie de cette famille avec moi, d'accord? Allez, top là. Maman, Tom, il est tout triste de plus avoir son Capitaine Courage. Tu pourrais pas lui racheter son magazine? Pour que vous le jetiez dans les toilettes? Pas question, c'est non. Papa, allez, s'il te plaît. Ah, si maman a dit non, alors c'est non. N'insiste pas, Nina. Oh! Et tant que j'y pense, je vais dire à maman que j'aimerais bien avoir une petite sœur pour jouer. Comment? Non, mais ça ressemble à du chantage, ça, dis donc. Pas du tout. Tom et moi, on se disait qu'à 3, on jouerait mieux. Et maman serait sûrement d'accord avec nous. Bien tenté, ma chérie, mais ce n'est pas au vieux singe qu'on apprend à faire la grimace. Tu bluffes, je le sais. Maman! Maman! Tom et moi, on a pensé à un truc. Non, chut. D'accord. Tiens, mais que ce soit clair, c'est juste parce que ça me fait de la peine de voir Tom malheureux. Merci, papa. Et pas un mot à maman, hein? Compris? Oh. Alors, Microbe, c'est qui la meilleure? D'accord, c'est toi l'alien. C'est toi la meilleure des meilleures, ma grande sœur formidable que j'aime et que j'adore et que je vénère. C'est toi la meilleure des meilleures, ma grande sœur formidable que j'aime, que j'adore, que je vénère. Allez maintenant, on se la fait cette partie de cette famille, Microbe.
rêve toujours l'alien la plus nulle de l'espace. Capitaine Courage et moi, on a mieux à faire, figure-toi. Mon frère, t'avais promis qu'on ferait une partie de cette famille en échange de Capitaine Courage. En plus, t'as topé. Peut-être, mais je t'ai jamais dit quand. Capitaine Courage contre le terrible serpent des toilettes 2, le retour. Non, au secours.